Bonjour à tous, merci d'être avec nous aujourd'hui soir. Euh, C'est un... un moment un peu particulier cette émission puisqu'on va euh, tous ensemble passer un peu de temps euh, à discuter, euh, bah, notamment d'intelligence artificielle, notamment de tout ce qui peut se passer euh, autour de ces nouvelles technologies. C'est euh, c'est un peu une première aussi de le faire de cette manière-là, puisqu'on est complètement en remote, on a, on aurait vraiment adoré euh, se retrouver avec vous euh, à Bruxelles avec nos avec notre partenaire euh, qui nous permet d'organiser euh, le, le live euh, de ce soir. On, on a essayé de voilà, de découper un petit peu cette baleine. On a, on a l'habitude de dire dans le monde de, de l'entrepreneuriat que quand on veut manger une baleine, il faut d'abord la découper en carpaccio. C'est ce qu'on essaye de faire un peu ce soir en découpant cette intelligence artificielle en, en petites fines tranches pour que ce soit digeste, pour qu'on puisse euh, bah, tout simplement prendre du plaisir aussi à en discuter. C'est pour ça qu'on le fait. C'est pour ça qu'on va, euh, va en discuter pendant, pendant une heure avec nos invités que je vais euh, tout de suite vous présenter. Mais bien sûr, si vous avez des questions, si vous avez des remarques, on en a déjà eu pas mal hein, qui sont. Euh, qui sont remontés pendant euh, toute la semaine ici autour de bah, autour de tous ces enjeux forcément euh, pas que des choses qui font euh, qui font sourire il y a des choses aussi qui parfois euh, prêtent à, à euh, être beaucoup euh, critiques par rapport à l'intelligence artificielle est-ce que ce qu'on a essayé de faire aujourd'hui euh, en, en préparant euh, ce plateau et je remercie d'ailleurs euh, déjà François Genette et puis tous ceux qui m'ont accompagné dans la construction de cette émission, c'est d'être le plus pédagogique possible. Et c'est pour ça qu'on a fait fonctionner tout simplement nos réseaux, puis les gens qu'on aime bien, puis les gens qu'on qu suit en ligne aussi. Et vous verrez, on a toute une série d'invités qui vont, qui vont nous rejoindre pour pouvoir en, pour pouvoir en discuter tout simplement. Euh, J'ai le plaisir d'accueillir Benoît Frenet. Bonjour Benoît. Bonjour Damien. Et Edouard Dewitt. Bonjour Damien. Bonjour messieurs. Euh, mais à coups -le pas, euh, on est trois mecs. C'est un truc, que j'aime pas ça d'habitude. Je trouve que c'est vraiment bien quand on a cette gender balance, comme on dit. On parlera d'une nana tout à l'heure aux religions dans le bouquin. Et franchement, je vous le, je vous le conseille de l'autre côté de la machine. Je vous le dis déjà maintenant. C'est le bouquin en fait, qui m'a donné envie de faire cette émission euh, parce que j'ai lu ça C'était Et c'est passionnant euh, de, de, de découvrir l'envers du décor, même si. Bah, je connais forcément déjà deux trois, deux trois petites choses par rapport à ça, euh, mais, euh, mais voilà. L'idée euh, derrière ça aussi, c'est de vous faire découvrir des gens. Euh, comme je disais, il y a euh, Benoît euh, qui est avec nous. Euh, bonjour, Benoît Frenet, Frenet ou Frenet, je sais pas comment on dit. Il y a un accent, Freinet, très bien. <laughs> euh, computer scientist, on va, on va pas essayer de le traduire tout de suite hein, ce mot là parce qu'informaticien c'est. Ça décrit pas vraiment, vraiment, mais voilà, c'est computer scientist à ah, l'université de Namur. Euh, tu es membre aussi du bord du Trails et on, on en reparlera tout à l'heure cette cette initiative là au niveau de Digital Wallonia, je pense, qui est portée en tout cas et qui regroupe mmh. toute une série, bah, toutes les universités, euh, je pense, du côté du côté francophone du pays ainsi que les centres de recherche. On aura euh, l'occasion d'en discuter euh, tout à l'heure euh, avec nous aussi, euh, Edouard De Witt. Edouard, toi tu, euh, tu travailles au groupe euh, IPM RTL Belgique, euh, tu es en charge de toute la stratégie d'innovation et euh, d'incubation aussi, tu nous raconteras un petit peu ce dont, ce dont il s'agit, ce, ce que vous euh, cuisinez j'ai envie de dire. Euh, euh, du côté d'un groupe euh, privé, mais qui avance beaucoup aussi sur ce terrain-là, puisque, alors moi c'est mon prisme, à moi forcément, en tant, que, en tant que journaliste, en tant que euh, consultant dans le monde des médias, bah, ça, ça m'intéresse évidemment de comprendre et de vous faire comprendre aussi, à vous qui nous faites le plaisir euh, ce soir d'être avec nous, de, de voir un peu comment, euh, comment ce web fonctionne, comment euh, ces enjeux liés au numérique peuvent percoler dans notre, dans notre société. Évidemment, en une heure ce sera trop court, donc on va sans doute s'en garder un petit peu sous le coude. Euh, N'hésitez pas hein, à aller euh, poser vos questions, euh, réagir aussi par rapport, à, par rapport à ce que les invités vont, vont pouvoir nous raconter. Tout ce qu'on va euh, pour vous proposer aujourd'hui, les liens, les articles, la présentation de Benoît aussi, euh, les quelques slides qu va, qu'il va nous montrer, on vous les mettra évidemment à disposition parce que c'est l'intérêt, c'est de pouvoir aussi euh, y, retourner, euh, y retourner par la suite. Euh, parce que c'est forcément très dense, c'est forcément quelque chose qui est... Euh, euh, comment je vais dire ça Moi je trouve ça juste fascinant, je ne sais pas comment vous, euh, euh, vous avez été confronté la première fois de votre vie à cette intelligence artificielle. Euh, moi d'aussi loin que ma mémoire euh, me permet de m'en souvenir, c'était un truc du genre Terminator, je pense. Je pense que c'était Terminator, oui. Où je me suis dit... Ah Merde, les machines vont, toutes, vont venir pour tous nous buter. <laughs> Et on verra que c'est n'est pas tout à fait vrai, c'est pas tout à fait faux non plus. La science-fiction est quelque chose qui nourrit évidemment les écosystèmes d'entrepreneurs. On aura l'occasion d'en reparler aussi. Euh, vous, c'était quoi, Benoît euh, La première fois où tu étais confronté à l'intelligence artificielle Alors, moi, la première fois, je pense que c'était il y a une petite vingtaine d'années. Je devais avoir euh, 15 ou 16 ans. Euh, et donc, j'ai découvert le bouquin de, de Daniel Crévier chez Fla, Champ Flammarion qui s'appelait À la recherche de l'IA. Et en fait, mmh. c'était vraiment un chouette petit bouquin de, je crois, 200, 250 pages qui décrivait vraiment toute l'histoire de l'IA jusqu'à la fin des années 90. Et c'était assez extraordinaire parce qu'on voyait vraiment tout ce qui s'était passé depuis les années 40 ou 50. Et c'était très, très inspirant. Enfin, je me souviens que ça m'a fait réfléchir et rêver pendant très longtemps. et ce qui a fait, d'ailleurs, du coup, que j'ai continué là-dedans. Et c'est ce qui a fait que tu es devenu prof aussi Tu as eu envie de l'expliquer ou la voir euh... euh, Je crois indirectement. Je crois que j'ai <laughs> mordu aussi au fur et à mesure des études. Chance... J'ai eu la chance de, de donner cours et, et j'ai mordu progressivement. Toi, Edouard <laughs> Alors, tu une référence... Euh... Ciné ciné cinématographique. Moi, j'en avais une aussi, mais c'était pas tout à fait la même, même génération. War Games, c'était pas tout à fait la, je pense, l'intelligence artificielle, mais en tout cas, je l'associe à cela moi. Mais euh, plus concrètement, moi, j'ai côtoyé l'intelligence artificielle au sens où euh, professionnel, je vais dire, euh, à partir du moment où euh, je suis rentré vraiment dans le monde de la publicité, mmh. qui euh, est inondé d'intelligence artificielle en permanence et des médias, évidemment. Euh, et donc, c'est vrai que c'est quelque chose qui… qui J'ai pris du temps à comprendre que c'était de l'intelligence artificielle, en fait. Moi, je suis un Béotien par rapport à tout ça. Euh, au départ, c'est plutôt en côtoyant des outils, en comprenant que ce n'était plus seulement du software, mais que derrière, il y avait, il y avait une logique et aller au-delà de simplement un algorithme basique. voilà Et puis aussi Facebook, soyons clairs. Euh, <laughs> je suis un des peut-être un des premiers en Belgique à être connecté sur ce réseau, euh, en attendant avec impatience qu'il s'ouvre sur la Belgique. Et j'ai vite compris que derrière, il y avait quand même euh, un, bel, un beau moteur. Mmh. Euh, tu l'as dit, euh, tu as mis du temps à comprendre. Et c'est vrai que quand on n'a pas fait... Moi, je ne suis pas un matheux. Je ne me définis pas du tout comme, comme, euh, comme quelqu'un de cartésien. Je suis même et alors, euh, les, mes détracteurs diront pas littéraire non plus. Euh, euh, mais la pensée logique est pas quelque chose qui, a priori, j'ai pas, pas des super bons souvenirs de mes cours de maths. Je pense que c'est d'ailleurs le, le seul cours dans lequel j'ai chopé un examen euh, euh, fin de cinquième e rénové, je pense. Euh, pas une rancœur tenace, mais enfin, quand même un truc un peu difficile de rentrer dedans pour comprendre à, à quoi ça sert, en fait. Et notamment à travers le bouquin d'Aurélien. Euh, ça m'a permis de, de peut-être euh, faire une petite psychanalyse à posteriori à 43 piges sur en fait, oui, ça permet de comprendre le monde autrement. Elle a, elle a des formules qui sont, qui sont très, très intéressantes pour expliquer comment elle-même, dans son parcours de chercheuse au MIT, euh, a, a pu euh, déconstruire cette pensée-là. Moi, j'aurais envie de te poser la question, Benoît, et, et, et peut-être que tu peux nous partager tes, euh, euh, quelques slides là-dessus pour nous expliquer un petit peu en fait. Euh, Surtout, peut-être d'abord, dans un premier temps, ce que l'IA n'est pas. C'est peut-être plus facile de définir mm -hmm. euh, l'intelligence artificielle en, en éliminant, peut-être d'abord, dans un premier temps, une, ben une série de. Je vais pas dire de baudruche parce que euh, je suis le premier mm -hmm. à avoir euh, fantasmé sur, euh, sur l'intelligence artificielle. Euh, mais d'une manière générale, c'est vrai qu'il y a quand même un certain nombre de prérequis à avoir et puis des termes. S'il y a bien une chose, je mmh. pense, qui est importante à ce niveau-là, si, c'est d'utiliser les mots justes pour décrire les choses les plus justes possibles. Aussi. Donc, Excellent. si tu as la possibilité de nous envoyer euh, tes slides, on va pouvoir les regarder tout de suite. Voilà. Tu peux partager ta, tu peux partager ton écran. Voilà. Et on va. Si ça apparaît correctement. Voilà. Je te laisse le micro. Voilà. C'est parfait. Voilà, ben en fait, je vais, je vais effectivement essayer de. J'ai préparé quelques petits transparents, donc euh, vous m'interrompez dès, dès que vous le sentez pour un petit peu expliquer ce qu'effectivement l'IA et ce que ce n'est pas. En fait, quand on va, quand on va parler d'IA, ben souvent, en fait, on doit d'abord parler d'algorithme. Alors, qu'est-ce que c'est un algorithme C'est un mot un peu compliqué pour dire quelque chose, en fait, qui est assez simple. C'est simplement le fait de décrire à un ordinateur comment est-ce qu'il est censé faire une tâche. Donc, par exemple, si un ordinateur doit faire la somme de deux nombres, eh bien on va lui dire d'aller chercher ces deux nombres dans sa mémoire, de les additionner d'une certaine façon, et puis de les remettre dans la mémoire quelque part pour qu'après il en fasse quelque chose, l'afficher ou, ou quoi que ce soit. Et donc, ça peut être quelque chose d'extrêmement bête, comme faire une facture dans un magasin pour un client qui vient d'acheter toute une série d'articles. Et puis, eh bien, Viennent du coup les, les algorithmes un peu plus intelligents. On va parler d'intelligence artificielle. C'est ce qui se passe quand on utilise des algorithmes pour résoudre des problèmes qui nécessitent un petit peu d'intelligence. Ça peut être par exemple des choses qu'on va retrouver dans des plateformes comme YouTube ou Netflix quand on vous propose du contenu. Ça peut être aussi ce qui se passe quand on va traduire des mots. Quand on va, par exemple, reconnaître des caractères, ce qui se passe au niveau de la poste, quand elle va reconnaître une adresse de façon automatique. Et alors, il y a d'autres choses qui sont si sympathiques, comme par exemple ici, c'est une étude qui avait été faite à Stanford. Donc, c'est une petite application pour GSM, où là, le but, c'est de permettre aux gens de prendre une photo d'un problème de leur peau et de déterminer si oui ou non, ils doivent aller consulter le dermatologiste. Et là, ce qui est vraiment chouette, c'est qu'il qu ne s'agit pas de se substituer au médecin, mais au contraire, encourager des gens qui n'auraient peut-être pas osé aller voir le médecin parce qu'ils n'aiment pas, parce que ça coûte cher, parce qu'ils n'ont pas le temps ou simplement pas l'envie, ben, d'y aller parce que l'application leur dit « Wow, attention, là, il y a un truc pas net, allez consulter. » Alors, comme, tu dis, comme on disait tout à l'heure, en fait, c'est assez vieux, hein, tout ça. Euh, ça remonte à les premiers réseaux de neurones artificiels, on en parle un petit peu pour le moment, ça date de 1943. Le premier à vraiment se poser la question, bah, tiens, est-ce que les machines peuvent penser C'était Alan Turing, un des plus grands noms de l'informatique, en 1950. C'est euh, à lui qu'on doit les, les, vraiment les bases de l'informatique telle qu'on la connaît. Et déjà à l'époque, il écrivait un article. Alors évidemment, pas dans une revue d'informatique, ça n'existait pas. Et en fait, l'IA telle qu'on la connaît pour le moment, qu'est-ce que c'est Ce qu'on appelle des IA faibles, restreintes. Ce sont des IA qui font une chose. Mais très bien, jouer aux échecs, jouer en bourse, proposer une publicité. Mais ce sont comme des marteaux et des tournevis. Si vous demandez à un marteau d'enfoncer une vis, ça ne va pas bien se passer. Si vous laissez une IA qui joue aux échecs le soin de tourner votre pelouse, le résultat n'est pas garanti. Et donc, ce qui est intéressant, c'est quand on pose la question à des spécialistes, euh, au fond, l'IA forte, l'IA qui fait tout comme nous, c'est pour quand C'est une question que Müller et Botstrom ont posée en 2016 à 100 des plus grands noms de l'IA dans le monde en recherche. Alors, ce qui est intéressant, c'est la ligne du dessous dans le tableau. Là, on leur demande, bah, tiens, quand est-ce à 90% vous êtes sûr que l'IA forte sera là Et en moyenne, en fait, ils répondent 2168. Donc, autrement dit, on n'y est pas encore. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est le petit chiffre à droite, le 342, qui indique la, en fait, la variance. Donc, à quel point est-ce que les spécialistes sont d'accord Et en fait, là, ils ne sont pas du tout d'accord. Ça veut dire que même entre eux, les meilleurs spécialistes au monde n'arrivent pas à se mettre d'accord. Donc, si demain, vous lisez dans un média grand public quelqu'un qui vous dit l'IA forte, c'est aujourd'hui, dans deux jours, dans dix ans, il y a des risques qu'il sont en train peut-être d'exagérer un tontinet. Alors, il y a souvent une espèce de confusion aussi avec les robots. Et. Les robots, en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est deux choses différentes. Donc, les algorithmes, en fait, c'est quelque chose qui est ben, dans votre ordinateur, dans votre smartphone. Ça n'existe pas réellement dans le monde physique. Vous éteignez l'ordinateur, l'algorithme, il disparaît, il, a, il est fini. Tandis qu'un robot, c'est exactement l'inverse. Il agit dans le monde physique, c'est un ensemble de boulons, de câbles, etc. Et pour que le robot arrive à bouger, il lui faut ces fameux algorithmes. Et en particulier, ben, des algorithmes intelligents, par exemple, pour monter un escalier, ben, ce n'est pas si simple que ça, en fait. J'ai essayé d'expliquer en 2-3 minutes comment ça marche en vrai, parce que ici, j'ai juste dit un petit peu ce que c'était, ce que c'était pas, mais comment ça marche. Et je vais surtout parler du machine learning, c'est mon domaine, c'est une partie de l'IA, et en fait la partie la plus visible pour le moment. Comment est-ce que ça va fonctionner On va utiliser ce qu'on appelle des données. Par exemple, je pourrais avoir des patients pour lesquels j'ai une série de diagnostics, je sais s'ils sont malades ou pas, et j'ai toute une série d'informations sur ces patients. Et ce que je vais essayer de faire, c'est construire un modèle qui va pouvoir me permettre de comprendre pourquoi certains patients tombent malades ou pas. Et ça, je vais faire ça avec ce qu'on appelle des algorithmes d'apprentissage qui vont essayer de trouver le meilleur modèle pour les données de façon automatique, mais mécanique. Il n'y a pas réellement d'intelligence derrière. Et ça, on va le faire dans deux grands buts soit prédire, c'est-à-dire ben, essayer de dire si euh, Damien, par exemple, a euh, la grippe ou pas. Ou alors décrire, ben tiens, au fond, pourquoi est-ce que dans la population, il y a certaines personnes qui atteignent plus facilement à la grippe que d'autres Est-ce qu'il n'y a pas des choses qu'on pourrait faire au niveau des médicaments ou de la prévention Peu importe. Donc, si on devait définir ça, c'est la seule définition que je vais vous donner, je vous rassure. On pourrait dire que le machine learning, ça consiste à apprendre un modèle avec des données pour prédire ou comprendre le fonctionnement du monde qui nous entoure. Je vais prendre un petit exemple très simple. Vous êtes responsable dans votre école. Des, de la bibliothèque et vous aimeriez bien conseiller les élèves. Et vous avez pour ça toute une série d'emprunts. Vous allez facilement voir que je suis un peu biaisé au niveau de mes lectures. On a <laughs> le titre du, du livre, l'auteur, le genre, le nombre de pages, l'âge de l'élève de, de ou l'élève qui a choisi, qui a lu le livre, son sexe et combien de livres il ou elle emprunte par mois. Et évidemment, ben, est-ce que le livre a été aimé ou pas Donc, en tant que bibliothécaire, vous vous dites, ben, je vais faire un premier modèle, les maths, on y est, voilà, un premier modèle qui va calculer un score pour chaque emprunt possible. Et vous dites, ben, bon, probablement qu'on peut avoir quelque chose qui est d'autant plus élevé que l'âge du lecteur est grand, et par contre, plus il y a de pages, moins c'est grand. Et donc, si vous allez calculer le score pour chacun des livres qu'on peut emprunter, vous obtenez un score qui vous dit, ben, tiens, est-ce que je peux conseiller ou pas un emprunt, par exemple, un livre de 50 pages à 7 ans, ok, 200 pages à 7 ans, peut-être un peu moins. Et vous dites quand même, c'est un peu naïf ce truc. Donc vous allez ajouter un, une autre variable, une autre caractéristique. Ici, le nombre d'emprunts par mois. Et vous obtenez quelque chose de plus fin. Vous dites, bah, plus on est face à quelqu'un qui lit beaucoup, plus il risque d'aimer. Et donc ici, les lignes 2 et 3, nof, notre fameux livre de 200 pages pour un enfant de 7 ans, eh bien si c'est un grand lecteur, il risque de plus aimer que s'il ne l'est pas. Et vous continuez comme ça, vous ajoutez plein d'informations, et à un moment, bah, vous n'arrivez plus à le faire à la main, vous avez besoin. Un ordinateur le fasse. Et justement, ce fameux apprentissage, c'est ça, c'est laisser l'ordinateur trouver à partir des données ces chiffres ici qui sont un peu arbitraires 6, 50, Donc, pour ça, qu'est-ce qu'on va faire bon, On va à nouveau utiliser des maths, pour ça qu'ils sont si importants dans l'IA. <laughs> ici, on va avoir une formule un peu mathématique où on va voir par exemple l'âge qui est multiplié par un certain chiffre, le nombre de pages qui est multiplié par un certain chiffre. Et le nom d'emprunt par certains chiffres. Et ce qu'on va essayer de faire, c'est trouver les chiffres qu'on doit mettre là pour obtenir le plus de prédictions correctes. Alors, naïvement, ce qu'on pourrait faire, c'est essayer toutes les valeurs possibles. Ça ne va pas être très efficace. Ce qu'on va plutôt faire, c'est démarrer avec une proposition de modèle et essayer de l'améliorer pour obtenir quelque chose qui marche de mieux en mieux. C'est une notion un que, que, que je... de, de, de prime abord, en tout cas, ça, ça ne m'était pas apparu aussi flagrant. La notion de, de répétition, la notion d'itération euh, pour essayer d'aller le plus vite et avec le moins d'opérations possibles, ça c'est quelque chose aussi qui est manifestement est, est, est quelque chose d'important à prendre en compte quand, quand on parle d'algorithmes. Euh, mm -hmm. euh, parce qu'on parle d'Euclide, on parle de ce genre de choses, ce qui a encore des, 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 des petites réminiscences de ce qu'ils ont, euh, qu ont fait à l'école. Euh, mais ça, c'est fait de tête. Et quand on a des machines, ça permet de répéter ces mécanismes-là. Et donc, le machine learning, c'est un peu ça, non C'est de réussir à faire en sorte que la machine puisse faire des trucs que nous, on ne sait pas faire en tant qu'humain, pour aller le plus vite possible et avec le moins d'opérations possibles pour trouver des solutions ça, En fait, effectivement, ce qui se passe, c'est que la, la force de la machine, c'est qu'elle calcule beaucoup et très rapidement. Nous, on est capable de faire des choses qui sont un peu plus floues, comme reconnaître des visages. Troniquel, elle est capable de calculer les choses de façon très précise et très rapidement. Et donc, ici, ce que la machine va pouvoir faire, que nous, on ne pourrait pas faire, c'est par exemple passer en revue les 35 dernières années des emprunts de la bibliothèque de l'école, euh, considérer des dizaines de variables qu d'informations qu'on a sur les étudiants, mouliner tout ça et obtenir quelque chose. Et mais effectivement, mais la a... machine ne le fera pas si tu ne lui demandes pas. C'est ça, ça aussi, c'est quelque ici. chose qui est important à, à comprendre, je pense. C'est que oui. toute seule, la machine ne fera rien. Tout à fait. Donc ici, effectivement, il n'y a pas... Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on parle d'intelligence artificielle. Euh, mais en fait, il n'y a pas vraiment d'intelligence. C'est mécanique et il hmm. n'y a pas de conscience. Donc ici, on est vraiment... Pour revenir au marteau et au tournevis, ce serait stupide de penser que le marteau va bah, tout d'un coup planter un clou tout seul. Eh bien, même chose ici. Tant que je ne clique pas sur un bouton... Le, le système ne va pas me proposer un, nouveau, un nouvel ouvrage pour un lecteur et il ne fera que ça. Je vais montrer un, juste un petit exemple mmh. peut-être pour montrer à quel point ça peut être... Euh, le résultat qu'on voit peut être bluffant alors que derrière, il n'y a, a absolument rien du tout. Donc ici, par exemple, ce que je vais montrer, c'est une IA qui est en train d'essayer de faire ce qu'on appelle une visualisation. C'est quelque chose qu'on qu utilise beaucoup en journalisme. On va essayer de montrer... <coughs> Quelque chose de façon euh, pédagogique et donc ici, ce que l'IA va essayer de faire, c'est positionner plein de pays, la plupart des pays du monde, sur un écran de façon à regrouper entre eux les pays qui sont similaires par rapport à plein de questions le PIB, le taux d'emploi des, des femmes dans le secteur tertiaire, le taux de vaccination des bébés, euh, consommation électrique, etc. Plein d'informations. On va essayer de digérer tout ça et de montrer quelque chose pour voir s'il y a des groupes de pays qui ressortent. Et quand mmh. on laisse l'IA fonctionner, vous allez voir qu'elle fait effectivement, comme tu disais, Damien, une... des itérations elle répète des choses. Et on voit que ça a quelque chose d'un peu organique. Vous voyez que tous les trucs bougent un petit peu. On voit que l'IA est en train de faire des essais, erreurs elle bouge des trucs. Et assez rapidement, on a trois groupes qui se détachent un pays de groupes occidentaux, la Chine et l'Inde, qui effectivement sont un peu particuliers dans leur genre. Et puis ici, on a plein de pays. Alors ce qui est intéressant, c'est de se rendre compte que euh, ça, c'est des données d'il y a une dizaine d'années. Euh, et on voit déjà des choses intéressantes, quelque chose que j'aime toujours bien montrer. Donc, ça, c'est des données qui viennent de, euh, de l'ENU. Ben, voilà, il y, y a des pays, par exemple, où on peut se poser des questions. La Grèce, par exemple, qui est ici plutôt que parmi les pays européens. Voilà, est-ce que c'est -ce que est normal qu'elle soit ici plutôt que là, en sachant que c'est des données qui datent de 2008, si je ne me trompe pas Évidemment, c'est facile de dire après coup, tiens, il y a quelque chose de bizarre, mais voilà, on a quelque chose de chouette. Et alors, ce qui est encore plus intéressant, c'est quand on regarde en fait l'algorithme d'où ça sort. Cet algorithme, alors je ne vais, vais pas vous l'expliquer parce qu'il y en a pour une heure. C'est sorti cours, de mon cours de machine learning. C'est en fait un algorithme qui tient en une dizaine de lignes. Il est assez simple, une fois qu'on qu a compris comment ça fonctionne, il est assez simple à, à implémenter et il n'y a que quelques opérations mathématiques. Et ce qui est intéressant de comprendre, c'est que... Du coup, il n'y a, y a rien d'intelligent, de, de conscient. On n'a on pas affaire à quelque chose qui sait ce que c'est un pays. On n'a pas affaire à quelque chose qui sait ce que c'est un PIB. On a affaire à quelque chose qui prend des chiffres, qui les mouline, avec un algorithme qu'on a nous-mêmes, en tant qu'humains, écrit. Donc, ça, c'est un chercheur humain qui s'appelle Van der Matten, euh, avec Geoffrey jo Anton, qui, qui a eu le prix ACM en machine learning, d'ailleurs, en informatique, pardon. Euh, qui ont écrit cet algorithme et qui l'ont implémenté. Donc, euh, il voilà. n'y a rien de... de, de c'est pas de la génération spontanée, il n'y a, mmh. a rien de, de conscient. De... Voilà, c'est ce seul. qui fait aussi le, le côté, j'allais dire mystique, mais non, c'est juste mystérieux. On a l'impression que c'est des boîtes noires, en fait. Il y a, y a pas mal de commentaires qui sont remontés, d'ailleurs, là-dessus, euh, dans, les, dans, les, euh, dans les jours qui vont précéder ici. Euh, c'est de se dire... Est-ce que, et on en reparlera tout à l'heure sans doute avec Edor est-ce que d'un point de vue démocratique, les, euh, on parle beaucoup de l'open source dans le, monde, dans le monde informatique qui permet entre autres de pouvoir dire bah si un système est ouvert, ça permet de le contrôler en fait. Est-ce mmh. que les algorithmes, on peut les contrôler Est-ce qu'il est qu faut avoir fait Matsup pour contrôler ce qu'un algorithme va faire On en reparlera par rapport aux réseaux sociaux tout à l'heure avec Eda <laughs> parce que euh, c'est quelque chose. On sait que Facebook utilise. Les algorithmes pour nous donner, j'allais dire à manger, <laughs> dans nos newsfeeds tous les jours. Et que toi, Benoît, toi, Edouard et moi, on, on a euh, trois newsfeeds qui sont complètement différents. Euh, si, faites d'ailleurs euh, l'exercice si, si, si ça vous botte ce soir. Euh, Choppez le téléphone d'un copain ou le téléphone de, de votre femme, de votre copine, de votre mec et, et regardez son newsfeed. Même si vous vivez dans la même maison, vous avez un newsfeed complètement différent euh, les uns des autres. Et donc, est-ce que c'est. Je reviens sur cette question de la transparence. Est-ce que les mmh. algorithmes sont transparents par nature, ou bien est-ce qu'il faut les forcer, est-ce qu'il faut ouvrir les, les livres entre guillemets pour pouvoir voir comment ça fonctionne Parce que ça, alors, ce que tu montres là pour l'instant, pour moi, c'est du chinois. Hein. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais en fait passer peut-être directement à, à. En fait, il y, y, y a deux choses. Euh, je vais avancer directement un ci <laughs> En fait. Euh, il y, a, il y a deux réponses. Il y a deux, deux, dans, dans la question que tu poses, il y a deux personnes. Mm -hmm. Il y a le, la personne euh, en fait, qui est confrontée à l'utilisation de, de ces systèmes. Ça peut être monsieur tout le monde euh, sur YouTube. Ça peut être un médecin euh, face à un logiciel médical. Ça peut être un scientifique qui est confronté à l'utilisation de ce genre d'IA. Mm -hmm. Euh, et puis, il y a le spécialiste en IA. Et c'est deux personnes totalement différentes. Donc, je vais prendre ici l'exemple le, d'un modèle qui est assez simple. C'est ce qu'on appelle un art de décision. Ici, on a en fait un modèle qui permet de prédire si on a ou pas la dengue, qui est une, une fièvre qu'on va trouver notamment en Afrique et en Asie du Sud-Est, sauf à rien de ma part. Et on a construit ça à partir de 1200 cas. <coughs> on n'est même pas encore sur du big data, c'est un, un gros mot qu'on entend souvent. Euh, on n'est même pas encore sur du big data, mais on a quelque chose d'intéressant. Et là, ce qui est intéressant, c'est de voir que ce truc-ci est utilisable par un médecin. Donc, ça a été, utilisé, ça a été construit automatiquement, ce truc-là, par une IA. Et on, on va, en fait, on va commencer par se poser à chaque fois des questions pour faire le diagnostic ici, quand on, on commence au-dessus. Et on commence par regarder le taux de plaquette d'un patient. Est-ce qu'il est faible ou élevé S'il si est faible, on va à gauche. Voilà. Ensuite, on va regarder ce qu'on appelle le taux de globules blancs. Est-ce qu'il est faible ou élevé Faible, on va à gauche. Ensuite, on regarde la température. Est-ce qu'elle est élevée ou faible Si elle est élevée on va à gauche ici, on se retrouve dans la case rouge. Autrement dit, on a probablement la dengue. Et donc là, on a quelque chose qui est relativement facile à expliquer à un médecin. Et le médecin va pouvoir s'en saisir et nous donner un, un retour là-dessus. Pouvoir dire, mais attendez, mm -hmm. là, il y a un problème. Ou non, ça, ça me convient très bien. Et donc là, on a quelque chose qui est encore relativement transparent. Par contre, si on est sur des systèmes comme ce qu'on appelle le deep learning, dont on parle beaucoup au moment, <coughs> l'équation que je vous ai montrée tout à l'heure, il y avait trois machins à additionner ben ici il faut il faut se, ré, se visualiser une espèce d'équation avec 25 millions de termes ici pour l'exception de qui est à l'écran donc là on est sur quelque chose qui est juste impossible à appréhender par un humain même un expert en IA et c'est là que du coup le, le boulot de l'expert en IA commence et devient vraiment intéressant parce que du coup, ce qu'on va essayer de faire, c'est par exemple ceci. Ici, on a des, des techniques qui essaient de montrer où ce fameux réseau de neurones, ce deep learning, va regarder dans l'image. Ce n'est pas encore suffisant parce qu'il ne suffit pas de savoir où on regarde dans l'image la zone en rouge pour savoir pourquoi on a pris la décision, mais ça commence à aider. Quelque part, c'est déjà rassurant ici pour décider si ces, ces, jeunes, ces, ces jeunes gens sont en train de se brosser les dents. Ben, on regarde la brosse à dents. Quelque part, c'est rassurant qu'on n'est pas en train de regarder le bouton de porte. Euh, et donc, il y a en fait pas mal de gens qui travaillent là-dessus. Donc, par exemple, ici, dans mon équipe, on essaie de comprendre un petit peu, mais, au fond, pourquoi est-ce qu'effectivement, il, il y a des choses qui sont plus acceptables par les humains que d'autres. Et, et on fait même des conférences sur ce sujet. Donc, par exemple, il y, a, il y a un peu moins de deux ans, on avait organisé à Wurzburg, en Allemagne, une conférence là-dessus avec des collègues. Et alors, je vais peut-être passer ici à, à cette fameuse, bah, la, la, voilà, la boîte noire dont tu parlais tout à l'heure, dans toute sa splendeur toute noire euh, et impossible à ouvrir et en fait la vraie question à se poser c'est pas tellement ben, comment est-ce qu'on peut l'ouvrir mais comment est-ce qu'on peut lui faire confiance à cette boîte noire et effectivement en fait il y a plusieurs choses qu'il faut pour que l'humain utilisateur au fond fasse confiance à cette, cette boîte la première c'est qu'il faut effectivement comprendre comment est-ce qu'elle prend cette décision et pourquoi on me refuse un crédit, ben, pourquoi est-ce que c'est parce que je n'ai pas assez de, de fonds propres ou que c'est parce que je suis un homme, une femme euh, ou de telle couleur de peau, ce qui évidemment n'est pas du tout acceptable. Et en machine learning, on va justement parler d'explicabilité on va expliquer les décisions. Mais il y a d'autres moyens. Un autre moyen, c'est d'avoir un certain contrôle de pouvoir interagir avec cette boîte noire de pouvoir lui dire ben voilà ce que tu fais, là, ça ne me convient pas. Et toute la, tout le challenge pour nous, informaticiens, pour nous, experts en machine learning, c'est de mettre en place des mécanismes qui permettent ça. Et qui soit utilisables par des personnes qui ne sont pas experts en machine learning. De même, on doit pouvoir imposer des contraintes et avoir des garanties sur ces, sur ces boîtes noires, leur dire ben voilà, ça tu ne peux pas faire. Je vais prendre un exemple simple. Le... Je vais revenir au... à ce... voilà, ceci. Donc, ici, on a un arbre de décision. On a une série de questions qu'on pose. Mmh. Un médecin va probablement souhaiter qu'on pose d'abord les questions les plus simples. Donc ce serait peut-être intéressant probablement de commencer par d'abord en fait prendre la température. C'est ce qui coûte le moins cher, il ne faut pas faire de tests sanguins. Et si on est dans une région du monde où on n'a pas forcément accès facilement à des tests sanguins, bah, ça peut être franchement utile. Et donc ici, une contrainte que j'aimerais pouvoir mettre, c'est bah, d'abord commence par prendre la température. Ne commence pas par exemple par euh, faire un, un IRM, ça coûte extrêmement cher, Alors, en plus ce n'est pas terrible pour le patient. De même, il y a peut-être des tests qui sont... Contre-indiqués. Si on a un patient qui est cardiaque, par exemple, ben, on va peut-être éviter un, un, un test où il faut faire une anesthésie euh, générale pour le patient. Et ça, c'est des contraintes que l'IA ne va pas d'elle-même prendre en compte parce qu'elle ne les connaît pas. Et donc là, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir offrir des outils à un médecin, par exemple, pour que lui puisse facilement dire ben voilà, dans mon domaine, les contraintes, c'est ça. Par exemple, ben, on commence par la température, puis on fait les tests sanguins et puis on sort l'artillerie lourde. Ou par exemple, ben, j'ai des contraintes aussi financières. Pour un patient, je ne peux pas dépenser en moyenne plus de haut temps. Pas parce que je ne veux pas, mais parce que je ne peux pas. Et si je le fais, eh bien, je, vais mettre mon je vais couler mon service et au final, ben, je ne pourrai plus soigner personne parce qu'on l'aura fermé. C'est euh, ce, qu ce qui fait que mettre... le, le, le domaine de la, de, la, de la santé est tellement euh, en pointe là-dessus. On sait que du côté de Liège, par exemple, euh, en Belgique, euh, il y a tout un environnement, tout un écosystème, on va dire ça comme ça, de, 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 de pépites euh, autour de l'e-santé. Euh, Roald Tiberat, qui m'a donné un coup de main pour préparer l'émission, m'en a, a pointé toute une série, comme ça, qui, qui sont euh, euh, actives du côté de Liège. Euh, on comprend aussi l'intérêt financier d'investir dans ce genre de, de technologie-là. Euh, C'est la santé, peut-être le secteur euh, par, par principe qui nous fait dire ah oui tiens finalement euh, ce serait pas mal que les machines puissent bosser euh, pour nous pour nous empêcher de choper le corona par exemple. Possible ou pas possible ça euh... Donc. Savoir si on va choper le corona ou pas. Ouais. Alors là, <laughs> honnêtement, euh... <laughs> honnêtement, je ne sais pas et je serais malhonnête de, de répondre à la question. Mm -hmm. Par contre, ce que je sais, c'est qu'on est vraiment passé. Je pense qu'on est passé d'un. On passe quand même d'un modèle. Donc historiquement, le machine learning, on, a pu... on avait plutôt dans... tendance à essayer d'évacuer de... le plus possible les humains qui étaient un petit peu embêtants, euh, subjectifs, etc. Et on est, je crois, passé à un modèle où, au contraire, on essaye de faire quelque chose qui. Soit utilisé par l'humain et essayer de le remettre au centre. Donc on va, on va développer des techniques où, par exemple, je ne sais pas si on est dans l'imagerie médicale, mm -hmm. où on peut quand même un minimum expliquer aux, aux médecins ce qui se passe. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas des boîtes noires, mais on essaie quand même d'aider le plus possible qu'il y ait un certain contrôle. Et de toute façon, il y a des garde-fous également au niveau légal qui font que dans certains cas, on n'a tout, tout simplement pas le choix. Donc, on n'en est si pas. raison ben, éthique. Euh, voilà. Oui, c'est ça. Il y, a, il, y a, il y a une éthique, de, tu, en, tu en parlais, mais d'un point de vue euh, euh, légal, d'un point de vue juridique, dans nos gouvernements. Euh, on attend avec impatience d'ailleurs euh, la note du prochain gouvernement <laughs> pour savoir quelle va être la place aussi de, de, de tout ça dans nos, dans nos vies futures. Ce qui est certain, c'est que euh, le code informatique va plus vite que le code légal. Mmh. Euh... Alors effectivement, il y a un il y a challenge. Donc ça, on a. Donc moi, j'ai la chance en fait de travailler à, à l'université de Namur. On a un centre qui s'appelle le Namur Digital Institute, mm -hmm. dans lequel on a la chance en fait d'avoir un petit peu toutes les visions. Donc on a des informaticiens, mais on a aussi des juristes, des, des gens qui travaillent en éthique, en management, en communication. Euh, et donc on a des discussions qui sont très très intéressantes avec eux. On a, ben, par exemple ici, il n'y a pas longtemps avec euh, un, un collègue en droit et deux doctorants, on a sorti un article justement dans une revue qui s'appelle Artificial Intelligence and Law. Donc voilà, mm. difficile de faire plus explicite. La loi et l'intelligence artificielle. Euh, et c'est vrai qu'il y, y, y a un enjeu en fait important dans ce dialogue. C'est des deux côtés. De comprendre les enjeux, le vocabulaire et ce qui doit être utilisé. Donc, du côté légal, il y a le problème de bien comprendre de quoi on parle, d'utiliser les bons termes, de ne pas exiger non plus quelque chose qui est, qui est complètement irréaliste par rapport à la, aux possibilités de la technologie. Mm -hmm. Mais du côté de l'informaticien, il y a aussi un challenge bah, de bien se rendre compte bah, de, de nos responsabilités, ça d'une part, de ce qu'on attend de nous. Euh, et puis, essayer aussi de comprendre le, le point de vue des, des juristes euh, qui, au fond, bah, essaient de protéger tout simplement le, le citoyen ou le consommateur. Euh, et je pense que c'est surtout ça qu'ils essaient de faire. Cool. Merci en tout cas pour euh, toutes, ces, euh, toutes ces infos, <laughs> Benoît. Toi, Edouard, de ton côté, euh, on l'a dit, tu travailles dans le monde des médias, dans le monde de la publicité. Tu disais que tes premiers. Euh, la première fois où tu as été confronté à l'intelligence artificielle, réellement, c'est quand tu as, le, le, as plongé dans le bain de la publicité. Euh, comment comment aujourd'hui, dans une boîte comme, euh, comme IPM, comme RTL, l'intelligence artificielle est utilisée euh, J'allais dire au profit des utilisateurs, parce que c'est quand même ça qu'on cherche à la base, même si ça ne doit pas être juste pour le plaisir et qu'il faut qu'il y ait à en donner un retour sur l'investissement. C'est quoi la réflexion qui, qui sous-tend l'usage de ces technos-là dans, dans un média comme, comme le tien Alors, on va y retrouver différents types d'usages. Euh, on s'appuie enfin énormément de plus en plus sur des outils d'intelligence artificielle qui vont euh, nous permettre... Par exemple, tu prenais l'exemple du, euh, du consommateur, donc des internautes, prenons cet exemple-là sur, sur nos sites, comment les protéger eux de euh, publicités frauduleuses. Donc ça, c'est typique d'une situation où euh, on cherche à monétiser nos espaces publicitaires, mais en même temps, on va faire attention à ce que les espaces qu'on met à disposition du marché publicitaire soient utilisés à bon escient. Et donc on ne retrouve pas euh, des messages qui ne sont pas dans la ligne, soit... Euh, de, de, de notre euh, entreprise mm -hmm. ou tout simplement de ce qu'on ne peut pas en tant qu'entreprise belge tout court ou citoyen belge promouvoir comme, comme, euh, comme message. Et donc là-dessus, on a des outils qui vont euh, parce qu'on est sur un univers qui est devenu euh, un terme, le terme programmatique, c'est un terme qu'on entend beaucoup euh, euh, en tout cas pour ceux qui, euh, qui, qui sont proches des médias, ils l'entendent en. En, très, très souvent, ce, ce terme-là, la publicité est devenue programmatique, c'est-à-dire qu'elle s'est automatisée, la chasse est automatisée euh, au travers de multiples plateformes. Et donc, euh, on a des, euh, des, des, des milliers d'annonceurs qui sont, millions d'annonceurs qui sont potentiellement capables d'acheter sur nos espaces. Et là-dedans, il bah, y en a des bons, mmh. la majorité le sont. Et puis, il euh, y a des annonceurs frauduleux qui vont faire qu'une seule chose, c'est essayer de, bah, de capter un, un internaute pour aller lui voler sa carte de crédit. Euh, et et pomper des, des, des informations euh, auxquelles il ne, il ne doit pas avoir accès. Et là, on est obligé de céder d'outils qui font cette analyse en permanence sur des millions de créations publicitaires. Mmh. À, euh, euh, eh bien, euh, favoriser un contenu par rapport à un autre contenu pour simplifier l'accès à l'information pour quelqu'un qui euh, a engagé une lecture, euh, a, est rentré euh, euh, dans un contenu et, et, et va vouloir poursuivre euh, sa, sa navigation. Avec évidemment, et c'est là que euh, je, je rejoins ce que Benoît disait tout à l'heure, à un moment donné, il faut aussi remettre bah, l'utilisateur au centre, ne pas laisser complètement l'outil faire tout. Donc ici, comme moi je dis, ne pas laisser l'humain remettre un petit peu l'humain au centre, c'est aussi pouvoir permettre bah, aux journalistes de pouvoir aussi adapter, le cas échéant, ou aux vidéo manager quand on est sur une plateforme comme RTL Play, adapter la proposition qui va en être faite, parce que si on laissait la machine faire toute seule. Euh, le risque aujourd'hui, c'est de se retrouver dans des, des paniers de contenu qui se réduisent au fur et à mesure de sa navigation et de sa, de sa lecture, ne se retrouver qu'avec un périmètre de contenu qui euh, ben, ressemble à tous ceux que j'ai pré précédemment consultés. Or, nous, en tant que ben, médias généralistes très larges, c'est aussi notre, notre mission, c'est de faire découvrir. De nombreux contenus différents et d'amener les, 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 les téléspectateurs ou ici plus les internautes à découvrir autre chose et pas seulement ce qu'ils viennent de consommer. Donc voilà, c'est trouver le juste équilibre entre les deux. Tu, tu parlais des journalistes. Il y, a, il y a un article qui est sorti dans le Guardian il y a quelques, il y a quelques jours qui euh, de manière très iconoclaste, très provocatrice, euh, dit Voilà, je ne suis pas un humain, je suis un robot, mon cerveau n'est pas un cerveau sensible, mais il est capable de prendre des décisions rationnelles et logiques. Et maintenant, je peux donc écrire cette chronique. Et donc, toute, euh, toute cette chronique écrite sur, euh, sur le Guardian par le fameux euh, outil GPT-3, euh, c'est un peu l'arlésienne, ça. Euh, en tout cas, du côté des journalistes, hein, on en parle depuis, depuis très longtemps. C'est « Ah oui, mais si les machines sont capables de comprendre les sentiments, sont capables d'interpréter, sont capables de prendre des chiffres, et ils peuvent écrire des articles sans nous. » Je me souviens, d'un des tout premiers, c'était un compte-rendu d'un match de foot, je pense. Très factuel, voilà, il s'est passé ça à la minute 3, puis un goal à la minute 5. Mais ça, ça a déjà évolué. Là, on arrive progressivement quand même à tout doucement, ce, on, la, on lâche prise. Si les, si, les, si les robots ou si les machines bien entraînées par les humains, on, on l'a bien compris, euh, euh, Benoît, <laughs> sans les humains, il n'y a, a pas de machine qui peut, qui peut écrire des articles. Euh, mais si un humain est capable de programmer une machine pour écrire euh, 10 000 articles par jour, il n'y a aucun humain qui est capable de faire ça. Euh, à cette heure-ci, je pense pas qu'il y ait un, un garde-fou, une barrière qui empêche de le faire. Heureusement, on en parle, donc quelque part, ça permet aussi de démystifier ça. Mais euh, la, la publicité dont tu parlais, euh, le mot c'est programmatique, je pense. Hein, c'est comme ça qu'on l'a qu 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 défini, la publicité programmatique. Fait aussi qu'à à certains moments donnés, on, euh, on peut avoir J'aime pas le mot dérive parce que c'est un peu tarte à la crème quand on parle de dérive, mais voilà. Il euh, y, y a quand même cette, cette notion d'emballement de, du, du système qui fait que si on peut produire des articles tout seul par des machines et puis venir mettre de la publicité qui a été décidée toute seule par des machines, euh, où est la création de valeur en fait euh, L'humain n'est juste bon qu'à cliquer sur les pubs et. Et à faire du CPM pour euh, pour Google et Facebook. <laughs> je caricature évidemment, mais euh, comment 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 ça s'est perçu, comme je euh, de votre côté Alors, bah déjà moi, mon, mon point de vue par rapport à GPT3 et, euh, et l'exemple que tu donnes ici de la création d'articles euh, automatisés à la place d'un journaliste, euh, soyons clairs, je pense que on va y arriver progressivement, mais c'est n'est pas pour autant que le journaliste va perdre son, son job en tant que tel, puisque tu l'as dit, euh, pour que ça fonctionne, il faut apprendre à la machine. Pour que ça fonctionne aussi, il faut pouvoir euh, euh, la nettoyer de tous ces artefacts et de toutes ces erreurs, et elle ne l'apprend pas elle-même. Donc, de, de, de cela, à mon sens, Benoît me corrigera peut-être sur ce point-là. Donc, euh, c'est plutôt les, le job qui évolue pour, pour mmh. par, par rapport à ça. Il faudra toujours faire, euh, enfin, il faudra encore, et d'ailleurs, on y est, on, on y est en plein pour l'instant, avec les élections américaines qui arrivent euh, et les fake news, etc. On n'a pas encore trouvé aujourd'hui d'outils, euh, et, euh, et je pense qu'il faudra encore beaucoup de temps avant qu'on puisse euh, euh, filtrer à 100% ce qui est une vraie news d'une une fake news. Or, un journaliste le fera toujours mieux qu'une machine, à mon sens, en tout cas s'il est bien construit mmh. euh, par rapport à ça. Et donc, s'il va chercher les bonnes, au bons endroits. Mais il ne le fera pas aussi vite euh, qu'une machine. Probablement. Il, il fera aussi pas moins. aussi vite. Ça, c'est vrai. Et mmh. donc, il s'appuiera sur la machine pour ben, déjà nettoyer dans 20%, 25%, mais il restera le dernier maïs. Et lui, oui. il est le plus compliqué. C'est celui qui a le plus de valeur, très souvent, y compris en publicité, en fait. Et donc, pour en revenir à la publicité, sur le programmatique, euh, je le dis, pour moi, le programmatique n'est qu'une automatisation des process de vente et qui a permis en fait, de, euh, de s'ouvrir et d'ouvrir la possibilité euh, et aux médias et aux annonceurs de pouvoir beaucoup plus s'interpénétrer les uns et les autres. Et donc, euh, il faut le voir comme quelque chose qui a fait grandir l'ensemble. Euh, mmh. Mais pour pouvoir grandir tous ensemble, il a fallu, euh, ben, euh, parce que ce n'était pas… Euh, financièrement tenable d'avoir de, des équipes de, de 10 000 commerciaux d'un côté et de 10 000 planeurs de l'autre côté, puisque c'est un peu ça, d'automatiser une partie euh, du, euh, du processus pour permettre à de nombreux annonceurs qui n'y avaient pas accès, en fait, de pouvoir commencer à faire de l'achat publicitaire euh, aussi. Euh, il y a peu de temps, il y a moins de 10 ans, euh, des petits euh, commerçants n'avaient pas cette faculté-là. Là où il y a 20 ans, on n'avait pas cette faculté-là de pouvoir communiquer, pour pouvoir quelque part générer plus de, de visites mmh. sur leur magasin. Aujourd'hui, grâce à Google, grâce à Facebook, ils y ont accès. Grâce à la publicité programmatique sur les sites comme les nôtres, ils y ont accès. Euh, et c'est une bonne chose, je pense. Le, et et, et c'est pour le bien du consommateur également. Oui. Tu, tu, tu parles des petits consommateurs ou des petits producteurs, les, les, les commerçants locaux. On l'a vu avec le confinement, il y a eu un, un vrai mouvement en ligne. Euh, parfois à marche forcée hein, d'ailleurs euh, de, 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 de beaucoup de commerçants dans l'horeca entre autres pour essayer de trouver des nouveaux débouchés pour pouvoir se, se basculer en ligne euh, tu dis Google, Facebook ont, ont permis effectivement et ont rendu les outils euh, accessibles il y, y a un documentaire qui est sorti sur Netflix il y a quelque chose qui s'appelle The Social Dilemma qui montre quand même un peu les limites, même s'il est critiquable, hein, ce, ce, euh, ce, ce documentaire. Euh, quelque part, les, les, les repentis de la Silicon Valley qui viennent expliquer qu'ils ont un peu merdé quand même à certains moments donnés. Le, les petits commerçants euh, du coin qui vont faire de la pub dans Facebook et dans, et dans Google, euh, c'est de l'argent qui va pas dans, dans, dans les caisses des médias, ça Évidemment. On est bien d'accord, Oui. <laughs> C'est toute la complexité dans laquelle nous on se trouve en tant que grand groupe média de devoir aujourd'hui. Euh, bah d'ailleurs, on est fort sur Facebook en mm. tant que, en tant que, que souvent les radios d'ailleurs de camarades de contact est excessivement présente sur Facebook et euh, on est vraiment dans un univers. Nous, on les appelle les frenemies », Donc, c'est à la fois nos ennemis, puisque on. On en a besoin pour euh, générer du trafic, pour pouvoir être en contact avec euh, notre audience, parce qu'elle est là. En même temps, elle nous prend bah, effectivement pas mal d'argent euh, mmh. chaque année, euh, qui n'est pas dépensé en plus sur le territoire belge. Hein, parce <laughs> Fait, c est... C est été calculé au Canada d'ailleurs par Jean, Jean Hugrois, qui ouais. est un, un chercheur de l'UCAM qui a fait tout un, un très très de papier là-dessus. Euh, il explique la méthodologie, mais c'est vrai que euh, c'est quelque chose aussi dont on parle depuis, depuis longtemps. Tu parles de. F... Comment tu dis Friendly Friendly, oui. C est, c est ça friend -me, oui. Friend me. Friend -me. À, 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 à la fois les potes et, et, et les ennemis. Euh, Est-ce est, est que c'est quelque chose, ça, Benoît, dans le monde euh, de l'éducation parce qu'on sait aussi que c'est un terrain concurrentiel. Euh, L'université, le, euh, les UNIF, elles se, elles se bagarrent pour avoir des étudiants chaque année en plus, pour euh, faire en sorte de, de grossir, euh, grossir les rangs. Est-ce que c'est quelque chose euh, qu'on que, hum, utilise dans le, dans, dans le secteur de l'éducation pour faire du, des cours Comment j'allais dire ça Je pense que c'est Zuckerberg qui a fait une sortie là-dessus il, il y a un an ou deux en disant l'éducation de demain, c'est l'éducation individuelle. Grâce notamment aux machines, grâce notamment à, à une espèce d'hyper... C'est un peu mon, mon newsfeed, mais éducatif, quoi. Euh, quelque part, c'est ça que, que le, le, je pense que la, la, la Fondation Zuckerberg, elle travaille sur ce genre de choses, sur une personnalisation jusqu'à l'individu de son parcours éducatif. Euh, Est-ce que c'est des choses qui sont en, qui sont en réflexion, ça du, du... Alors, du côté de l'univers de Namur, mais peut-être ailleurs, je ne sais pas si tu as peut-être entendu parler de mais comme toujours, il, y a, il, y a deux, il faut distinguer deux choses. Il y, a, il y a ce qui se fait au niveau de la recherche scientifique et puis il y a ce qui se fait vraiment sur le terrain. Et généralement, bah, il, y a, il y a un décalage pour des raisons de, de moyens, d'échelle de, de, de temps, etc., différentes. <coughs> au niveau de la recherche, en tout cas, c'est clair que dans la communauté scientifique, il y a pas mal de gens qui s'intéressent effectivement à... Ben, par exemple, prédire le décrochage. Donc, on essaie de, de, de prédire le plus vite possible si un étudiant risque de décrocher, euh, de façon à pouvoir en fait ben, lui, lui proposer des, des, des choses qui pourraient le, lui permettre de, de rester, ou au contraire lui proposer autre chose si ça peut être pertinent. Mm -hmm. euh, mais on va aussi effectivement essayer d'individualiser les exercices. Donc, par exemple ici, dans... Donc, moi je donne un cours de programmation en première bac, et c'est un peu le problème qu'on a. C'est qu'effectivement, en fait, on a la programmation, c'est quelque chose de particulier parce qu'il faut s'exercer, 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 s'exercer. C'est vraiment en s'exerçant qu'on finit par attraper le truc et euh, et s'en sortir. Et du coup, évidemment, ce qui se passe, c'est qu'on va leur proposer plein d'exercices aux étudiants, mais tous les étudiants n'avancent pas au même rythme et ne bloquent pas sur la même chose. Donc ici, effectivement, quelque chose qui se joue, c'est d'arriver à détecter pour un étudiant ce qui bloque et lui proposer les bons exercices au bon moment pour qu'ils puissent ava qu puisse avancer. Euh, voilà, on, ça c'est des choses sur lesquelles on fait effectivement des, des recherches à l'UNAMUR et dans d'autres universités. Maintenant, c'est vrai qu'après, c'est plus compliqué à mettre en place. mais euh, Ce serait fascinant. Enfin, moi, j'ai des ados à que... la maison euh, qui me demandent tous les jours pourquoi elles doivent aller à l'école le jour où elles ont leur newsfeed aussi bien customisé que dans Insta, mais pour les cours. Euh, parce qu'elles ont cliqué sur un like, sur un j'aime ou qu'elles ont partagé une conversation ou commenté tout simplement un, un exercice qu'on leur en redonne enfin, euh, ça peut être mis à ce service-là euh, aussi ou je fais de la science-fiction complète là alors, Pour moi, et alors ça c'est peut-être plus à titre personnel en tant qu'enseignant qu tout simplement plutôt que, plutôt que chercheur euh, je pense qu'une des choses que la crise actuelle a montré c'est que le modèle totalement en ligne ne marchera probablement pas. Les mm -hmm. étudiants, en fait, assez rapidement, ils sont demandeurs de contact social entre eux, aussi avec le prof. Il y a cet aspect humain qui, pour moi, est extrêmement important dans l'enseignement. Euh, moi, si je ne vois pas mes étudiants, euh, je, voilà, je ne vais pas dire que je dépéris, mais en tout cas, je, il manque quelque chose, euh, ce contact humain qui est vraiment très chouette, qui permet d'individualiser aussi l'enseignement. Ça ne veut pas dire qu'il faut rester que sur des cours en amphithéâtre. Je pense que ce, ce dont on vient parler vient en plus. Donc, mmh. on a les activités en présentiel où on a ce, cet aspect humain, où on va travailler en groupe, etc. Et puis, il y a un suivi individuel qui peut se faire effectivement via des plateformes qui vont aider les étudiants. Donc, je pense que ce n'est pas du tout quelque chose, ce n'est pas l'un qui va remplacer l'autre. Euh, quand on dit parfois, j'entends parfois certains collègues dire ben voilà, le, le cours en amphithéâtre, c'est mort, ça n'a plus aucun intérêt. Euh, je pense que non, c'est encore toute sa pertinence, mais effectivement, il y a d'autres outils qu'on peut venir greffer dessus, des outils en ligne. On parlait tout à l'heure, pour la préparation de l'émission, d'un outil qui s'appelle WooClap, par exemple, mm -hmm. qui permet de faire des votes avec les smartphones pendant le cours. Et ça, c'est quelque chose de génial, parce que quand on pose des questions aux étudiants en cours, généralement, ben, ils n'osent pas trop, il y a la peur un peu du, du regard des collègues et de l'enseignant. Et grâce à cet outil qui est gratuit, euh, enfin, gratuit pour les étudiants, il y a des licences à payer évidemment, euh, qui, est, euh, qui est très facile à utiliser. Il suffit de l'installer sur, euh, sur leur GSM. Tout d'un coup, ils peuvent répondre à l'enseignant de façon anonyme et au lieu d'avoir 10 personnes qui lèvent la main dans, dans l'auditoire, j'ai les trois quarts qui répondent sans en étant honnête. Et donc là, on a vraiment un, un bon exemple d'outil qui fonctionne très bien euh, et qui apporte un réel plus. Dans, dans notre pratique d'enseignant. Donc, moi, je vois vraiment ces outils numériques comme quelque chose qui va venir enrichir l'enseignement plus qu'autre chose, mais en tout cas, pas remplacer le, le présentiel. Euh, Edouard, des, des outils comme ça qui, qui permettent d'augmenter l'expérience. Dans les commentaires, il y en a qui parlent d'ailleurs de, de, de remplacer ou de. de euh, c'est pas remplacer, c'est delayed. Donc, euh, retarder quelque part euh, l'intelligence. Euh, par rapport au monde des médias, c'est une des critiques qu'on qu'on, le sent bien. Hein, euh, le manque de confiance, on va dire ça comme ça. Euh, si on doit, trouver, on doit trouver un mot générique, le manque de confiance du public par rapport aux producteurs de contenu, par rapport à leurs propres biais. D'ailleurs, on n'a pas encore parlé des biais algorithmiques, mais c'est un truc important dans le bouquin de, de Religion. Elle en, elle en parle pas mal. Euh, Benoît, tu pourras peut-être nous en toucher un mot aussi après. Euh, je, je reviens sur cette, cette notion-là, Edouard, de se dire on crée des, on crée des outils. On n'a jamais eu autant d'outils, on n'a jamais eu autant de capacités de création de choses, même sans ligne de code. Hein. Aujourd'hui, le no code est quelque chose qui est, qui est vraiment très intéressant. Mais comment on fait en sorte de faire remonter de la part des utilisateurs de l'information sensible, qui a du sens, pour les producteurs de contenu, pour les. Euh, que ce soit en publicité ou que ce soit média d'ailleurs. Quand on est journaliste, on est. C'est difficile de, de prendre le pouls de la population et de savoir que, comment, comment, on, comment on travaille, pour qui on travaille, comment... Parce qu'on sait très bien, si le seul but c'est de faire de l'audience, des chats, des boobs, ça marche très bien. Mais est-ce que c'est notre job et comment est-ce qu'on peut enrichir notre job grâce à l'intelligence artificielle? Alors grâce à l'intelligence artificielle, là chez nous, euh, tu vois, euh, on, on, on est quand même un média de proximité important. RTL et RTBF sont des médias qui ont un, une relation avec leur public, ils ont des auditeurs, ils ont des téléspectateurs, des auditeurs qui, le, qui les appellent assez régulièrement, euh, qu'on prend sur antenne, des internautes qu'on prend sur les sites, puisque la plupart des sites belges, euh, je pense, et en tout cas chez RTL, la, la boîte alerte nous qu'on a lancée il y a bien, euh, il y a bien euh, au moins sept ans. C'est un flot continu de messages qu'on reçoit et qu'on traite tous les jours. C'est des, servent... de euh... des journalistes qui s'occupent de ça Et c'est des journalistes qui s'occupent de ça, donc ça arrive à la rédaction. Mmh. Euh, et c'est eux qui s'occupent de ça pour en faire. Alors au départ, c'était des sujets euh, uniquement euh, web, mais c'est devenu très rapidement des sujets TV, des sujets radio. Et ça sert de base à une bonne partie des. Euh, des, 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 alors pas des titres euh, euh, politiques et autres euh, mmh. qui eux sont traités évidemment par les, les journalistes politiques et, et, et les flux qu'ils ont déjà aujourd'hui avec euh, euh, avec la, 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 la société mais euh, mais pour tout ce qui est sur le terrain euh, c'est vrai que c'est flux alors c'est pas l'intelligence artificielle ici puisque c'est plutôt du euh, plutôt un outil euh, mmh. mis à disposition et un formulaire euh, assez 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 basique euh, en soi, on n'y a pas encore collé une intelligence pour faire le tri, ou alors très basique, pour faire le tri entre du, une information intéressante ou en tout cas une, un contact intéressant mm -hmm. versus euh, quelque chose qu'on peut laisser de, de côté, en tout cas temporairement, parce que bon, ça passe aussi. Il y a aussi des messages de haine et autres hein, qui vont passer euh, sur ce genre de. Donc là, il y a un filtre qui va être fait de, de modération, on va dire. D'accord. Effectivement, dans la modération aussi, on va le retrouver, mm -hmm. ce, ce genre de. Technique. Par contre, vous avez euh, de la mécanique qui turbine en interne sur tous vos articles. Euh, qui permettent d'associer des articles. C'est un peu ce qu'on a vu. Je pense que c'est eBay qui a été le premier à faire ça à une époque. -à si vous avez acheté ceci, alors vous aimerez aussi cela. Les gens qui, comme vous, ont acheté ceci, ceci ont acheté aussi cela. Euh, ça, c'est des. Alors, il y a les, les taboulas et autres qui sont des espèces d'énormes lessiveuses à contenu qui sont capables d'aller chercher. Et là aussi, c'est de l'intelligence artificielle, hein, je pense, qui, qui, qui travaille. Derrière. Oui, un Tabula ou un autre brain va fonctionner un avec brain. une plus ou moins 180 critères, si je ne me trompe pas, différents, qu'ils vont croiser et, et ils vont utiliser les comportements de... Donc les ad brains, ce sont les positions publicitaires et ou natives, hein, c'est le terme plutôt utilisé par ces, ces boîtes-là. Donc c'est de de, des messages commerciaux et éditoriaux qu'on retrouve dans une position bas de page ou en colonne de droite d'un site sur un desktop et, et qui font de la recommandation. Euh, de la recommandation basée sur ces 180 critères ou 120 critères, ça dépend des, 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 des entreprises, plus les comportements de l'utilisateur derrière. Donc ça va être, j'ai cliqué, j'ai passé X secondes sur la zone sans cliquer, euh, etc. Et qui servent effectivement à alimenter ça du trafic publicitaire et du trafic intra-site, puisque c'est utilisé par pas mal de médias pour générer du trafic entre les, entre, de, page, de page à page. Mais mmh. tu parlais de la recommandation. L'exemple que donne, c'est la recommandation. Elle existe déjà depuis euh, depuis une dizaine d'années euh, chez euh, chez nous, dans les médias. Elle, elle s'améliore d'année en année par euh, la puissance de calcul et quelque part le volume de données aussi qui s'est rajouté en l'espace de dix ans, puisque quelque part données va aider, je pense, à, à améliorer le, le le traitement et puis et, euh, est-ce que tu expliquais, Benoît, l'amélioration des algorithmes aussi, sur lesquels il faut travailler en permanence. On, on le voit, j'ai mis un petit article là sur un très très bon papier de Radio-Canada sur l'ingérence politique, puisque aujourd'hui on arrive à faire la guerre à travers les réseaux sans même échanger un coup de feu. Comment? Comment, en tant que média, alors c'est pas vous, je sais bien, vous êtes ni l'un ni l'autre journaliste, mais comment vous appréhendez euh, les élections de novembre aux États-Unis, sachant ce qu'on sait, sachant comment, comment est-ce qu'on peut, entre guillemets, se prémunir de ça chez nous Est-ce que la situation aux États-Unis est la même que chez nous Est-ce que, euh, du côté d'RTL, par exemple, y a, y a, vous mettez aussi en place des garde-fous par rapport à ça Comment, comment est-ce qu'on est qu se projette un petit peu dans l'avenir par, par rapport à ce genre de choses on est tombé très très haut en 2016. On sait très bien que de l'ingérence, il y en a plein. Si on regarde en Belgique par exemple, le Vlaams Belang est celui qui dépense le plus de pognon sur Facebook pour faire de la publicité. Est-ce qu'on sait empêcher ça Ou est-ce qu'il faut crier aussi fort qu'eux Ou est-ce qu'il faut utiliser les mêmes outils qu'eux pour, pour aller à la bagarre Et est-ce que les autres partis politiques sont, sont prêts pour ça Vous n'avez pas de réponse, vous n'avez pas de réponse. Hein. Je ne vous demande pas de vous positionner par rapport à ça, mais je trouve ça intéressant dans le débat actuel. Je. Ouais. <laughs> Sous l'angle publicitaire, euh, il y a un filtre qui est fait, c'est ce que j'expliquais. Donc, okay. on, filtre, euh, on filtre les messages qui vont être diffusés sur euh, nos antennes en télévision classique, c'est assez simple, parce que les, tous les spots sont visionnés à l'avance, donc euh, on sait exactement okay. ce qui va être mis ou pas euh, à l'antenne. Et euh, une publicité pour un parti comme le Vins Belingue ne passera pas. D'ailleurs, la publicité politique n'est pas autorisée euh, dans des fenêtres d'élection, par exemple, euh, sur des médias audiovisuels, donc ça simplifie en plus. Euh, euh, ça, ça, le... ça joue aussi les règles du CSA par rapport... Euh, le temps d'antenne est comptabilisé sur les réseaux sociaux, par exemple, euh, en Belgique, pendant, pendant les, les périodes préélectorales pré C'est comptabilisé aussi ça Je ne pense pas que sur les réseaux sociaux, ce le cas. Okay. Mais à vérifier. Parce qu'on on les, on les voit quand Et même arriver. C'est hein, pas rare ces dernières semaines d'avoir des conférences de presse de présidents de partis qui ne sont que sur les réseaux sociaux. Oui. Ils l'ont bien compris. On n'est pas encore dans une fenêtre d'élection. Non, pas encore. <laughs> <laughs> non, par contre, les luttes d'influence, elles sont là, très clairement. Et, et ce n'est ah oui, pas et pour bien rien bien que bien. ils débarquent tous sur TikTok. Quoi. Et on peut en parler un peu de TikTok aussi. Et la, pub et la publicité politique n'est pas, pas pour autant interdite. Et effectivement, mm. beaucoup de partis ou de politiciens l ont, ont compris la puissance que pouvaient revêtir les, les réseaux sociaux en mm. priorité en fait, au niveau digital par rapport à d'autres médias qui étaient en fait qui sont beaucoup plus strictes sur euh, ce qu'ils qu'elles acceptent ou pas parce que voilà euh, on est aussi on, ben moi, moi au niveau de la régie publicitaire, par exemple on n'est pas loin des journalistes mmh. donc il euh, y a une porosité entre nous et donc on sait ce que eux acceptent ou n'acceptent pas et vice versa c'est c'est assez neuf hein, ça cette façon de travailler là le fait que les journalistes les euh les gars du marketing, quand on dit, euh, se parlent, ne fut-ce que se parlent, parce que généralement, en plus, ils, ils étaient sur des plateaux différents, voire même dans des, dans des bâtiments différents. Est, euh, oui. on, est, on est sur ces C'est d'ailleurs une des questions que Benoît euh, Mac, que je remercie d'ailleurs d'être là, on aura l'occasion d'en reparler, d'ailleurs, euh, Benoît, parce que euh, Benoît Mac fait partie aussi euh, du trail, on en reparlera juste après, qui disait, euh, comment faire pour travailler non sur la quantité de l'audience, mais plus sur l'engagement citoyen vis-à-vis -vis des news Est-ce que, est que l'informatique, est-ce que la technique est suffisamment utilisé pour travailler pour travailler là-dessus, euh, euh, Edouard, de se dire l'engagement des citoyens. Comment on, on, on voit beaucoup Alors tu vas prêcher pour ta paroisse évidemment. Il faut, faut que la publicité, pardon, faut que la publicité rentre. Mais le, le, les médias sont considérés comme euh, le cinquième pouvoir, comme euh, le contre-pouvoir par excellence. Est-ce qu'on euh, n'en est pas arrivé à un point de saturation de, espace, de cet espace médiatique-là, avec, euh, avec beaucoup de choses qui ne font pas forcément grandir le débat ou euh, qui enrichissent le débat on est, on est quand même très très fort dans la polarisation, non euh... Alors tu vas me dire, pour la, oui. pour la pub, c'est pas mal ça, que ça polarise. Ça permet de bien targeter. Mais... <laughs> oui, mais c'est aujourd'hui, on est dans une hypermédiatisation parce que le digital a permis, euh, a permis cela. On était avec. Euh, euh... Peu de médias il y a 20 ans, et mmh. aujourd'hui, il y a combien de sites, de plateformes, d'expression de, et autres qui, en fait, créent cette polarité. Mais ça, ça permet aussi. Ouais, oui, as fait. Et ça, et ça permet aussi cette, euh, cette créativité-là. Sans doute. On a on n'a jamais eu l'occasion d'autant innover, d'autant entreprendre. J'essaye dans les dans les commentaires, vous êtes plusieurs à avoir fait le, la remarque qu'on n'a pas pour le, parler beaucoup de, de, de business ou d'entrepreneuriat. Euh, ce sera peut-être l'occasion pour, pour pour une autre émission parce qu'évidemment il est déjà ça fait déjà plus d'une heure qu'on cause. Euh, euh, mais évidemment euh, l'informatique, les technologies, l'intelligence artificielle suscitent plein d'idées plein de choses qui sont, qui sont mises en place. Et tu me vois arriver, Benoît, j'imagine, euh, avec mes gros sabots sur, euh, sur euh, euh, Trail, qui est cette, cette initiative. Euh, je ne sais, je sais pas exactement qui est à l'origine de l'initiative, mais c'est en tout cas une initiative qui a le mérite de mettre beaucoup de gens autour de la table, en Wallonie, à Bruxelles. Euh, toutes les UNIF, si je ne me trompe, les centres de recherche. Sous la mmh. coupole de, de, de Digital Oneia, et je disais Benoît Mike, bah, c'est parce qu'il est dans les commentaires avec nous, c'est cool. Euh, de quoi s'agit-il en fait de cette, de cette initiative-là à quoi, à quoi ça va servir Il y a des workshops, j'ai vu, il y a toute une série de choses qui sont dans le pipeline par rapport à ça. Tu fais partie mmh. du board mmh. euh, de, 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 de Trail. De quoi, de quoi s'agit-il Alors en, en deux mots, donc effectivement, l'idée c'est que, euh, en fait, il y a. Pas mal de gens qui travaillent, qui font de la recherche en IA en Belgique, mais effectivement, euh, voilà, on est, on, est, on est parfois un peu isolé. Donc l'idée, c'est d'aller reproduire ce qui s'est fait dans d'autres pays, d'essayer de créer une grosse communauté scientifique autour de l'IA. Ici, le trail, on a les cinq universités. Donc, il y a l'université de Namur, évidemment, l'université de Mons, l'université de, de l'ULB, l'université de Liège, et puis l'UCL. Et on a effectivement les, les centres de recherche agréés, les, les CRA. Donc il y a Multitel, il y a, il y a CETIC, il y a CERIS et Sénéro. Mm -hmm. Donc l'idée, c'est d'aller regrouper tous ces gens ensemble pour arriver à faire quelque chose de, de grand ample. Donc ici, l'idée, c'est d'avoir une recherche qui est à la fois tout de même un petit peu fondamentale parce que euh, je crois qu'il y a un truc sur lequel il faut pour Insister et qui ressort peut-être pas assez dans ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est par exemple tout à l'heure je parlais d'imposer des contraintes à l'IA, prendre du contrôle, etc. À chaque fois ce sont des solutions techniques qu'il y a derrière, donc évidemment mmh. toute une discussion à voir avec des gens qui font de l'éthique, du droit, etc. Mais in fine, si à un moment on veut mettre du contrôle sur l'IA, eh il n'y a rien à faire, il faut redescendre au niveau des maths et du code et mettre les mains dans le cambouis, donc ça veut dire redescendre. La dans la recherche fondamentale, parce que la recherche en informatique, c'est de la recherche fondamentale. On a parfois, on comprend parfois pas très bien pourquoi est-ce qu'on peut bien faire de la recherche en informatique, mais, euh, mais on est vraiment sur la recherche fondamentale. Et l'idée ici, c'est de faire non de la recherche fondamentale, mais aussi dans l'idée de pouvoir appliquer ça à des, à des cas réels et d'intégrer ça aux problématiques du site, du site économique wallon. Donc on n'est pas sur la recherche qui est détachée de tout impératif économique. Au contraire, on est ici sur euh, mettre en place par exemple des tests de doctorat euh, où des gens passent un certain, une certaine partie de leur temps sur des cas pratiques, des cas d'industrie. Euh, voilà un petit peu, et donc effectivement, il y a toute une série d'outils qui vont se mettre en place. Il y a eu effectivement un, pre un premier workshop au début de l'année, mmh. euh, c'est appelé à se refaire. Il y a des projets qui sont en train de se monter, euh, des, des groupes qui sont en train de se former autour de certaines thématiques. Et donc voilà, l'idée c'est vraiment de créer un écosystème, une masse critique euh, sur laquelle on puisse s'appuyer on puisse, on puisse pour avancer sur des grands thèmes. Euh, et avoir une espèce de, de mouvement d'oscillation entre la recherche fondamentale et puis aller voir un petit peu aussi au niveau des entreprises ce qui est demandé, puis, puis revenir mmh. au niveau de la recherche fondamentale. Donc, avoir une recherche qui est tout de même fondamentale, mais avec une vision euh, d'un peu faire des choses qui, sont, qui puissent être utiles, effectivement. Ok. Il y a une tension, évidemment, entre la recherche appliquée et la recherche fondamentale. Donc, ici, on essaie de trouver un bon compromis entre les deux pour la, pour la Wallonie. Et puis l'idée aussi qui est des débouchés derrière, que ça crée que ça crée de la richesse, que ça crée de l'emploi, tout, crée... tout à fait. parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en fait, quand on a quand on a de la recherche qui se fait dans les universités, en fait, on a de l'emploi qui se crée à plusieurs niveaux. D'abord, bah, tout simplement le jeune chercheur qu'on a formé, et puis qui va repartir dans l'entreprise avec des compétences extraordinaires, aussi bien au niveau technique que organisationnel, humain, etc. Mm -hmm. C'est des compétences qui sont très recherchées, par exemple en pharmaceutique. Euh, mais aussi, eh bien, ces résultats de la recherche, ils vont finir par percoler. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est très difficile de, de, de deviner à l'avance ce que ça va donner. Si je prends le cas du deep learning, dont on parle tout le temps pour le moment dans les grands médias, pour le moment, quand on parle de GPT-3, c'est ça, c'est du deep learning. Eh bien, les, les grands noms du deep learning, en fait, ils ont été en sous-marin pendant plus d'une trentaine d'années. Mm -hmm. Pendant 30 ans, on leur a demandé Mais qu'est-ce que vous faites Ça ne sert à rien. Ce que vous faites, ça n'avance pas. Uh -huh. Et puis, tout d'un coup, en 2011, ça, on a ils ont commencé à tout exploser. Et en 2019, ils ont d'ailleurs eu l'équivalent du prix Nobel en informatique, le prix ACM Turing, mm -hmm. euh, d'un million de dollars. Donc là, on parle de Geoffrey Hinton, Joshua Bengio et Yann Lequin, qui sont vraiment les trois grands ponts du, du deep learning. Donc, comme quoi, c'est très difficile de prédire à l'avance à quoi ça va servir. Maintenant, plus personne n'oserait dire que le deep learning ne sert à rien. Il y a quelques <laughs> années, c'était assez courant. <laughs> Il y a d'ailleurs euh, une initiative qui est en train d'être euh, d'arriver en Belgique, je pense, euh, et c'est au niveau fédéral. Euh, c'est un, un MOOC euh, Elements of euh, AI qui est qui est en train de. Lancer. Je pense que c'est des Danois qui ont lancer ça en premier, non euh, Non, des Finlandais. Des Finlandais. Donc c'est effectivement c'est finnois, euh, et donc c'est entre ça a été traduit ici pour euh, pour la Belgique. Et donc, l'idée en fait, qu'il y a derrière ça, c'est de... qu'une partie de la population soit, soit exposée à, à ça mm -hmm. et puisse après bah, faire un peu boule de neige. Parce qu'évidemment, on se doute bien que tout le monde n'a pas le temps euh, à consacrer, à suivre un cours sur l'IA. Mais par contre, on a une masse un peu critique dans la population, bah, ça peut commencer à... À... à faire boule de neige. Parce que je crois qu'il y a vraiment deux grands challenges au niveau de, de l'IA pour continuer à avancer, pour continuer à être leader en Belgique, mais aussi en Europe, c'est un, avoir une recherche qui est vraiment à la pointe, parce que l'IA, c'est avant tout de la recherche qui après percute dans les entreprises, et puis avoir de l'éducation, avoir une éducation aux sciences vraiment ben, dans, les, dans les écoles, secondaires, primaires, dans les universités, euh, et dans le grand public, expliquer aux gens ce que c'est l'IA, parce qu'on a tendance à avoir peur de ce qu'on ne connaît pas, de ce qu'on ne comprend pas. Euh, et, euh, et fantasmer un petit peu et je crois que c'est vraiment important je vais prendre un autre exemple qui n'est pas du tout mon domaine ici moi j'ai discuté en discutant avec des juristes euh, justement dans le cas de, de l'IA et eh bien les ce sont des discussions qui sont extrêmement enrichissantes le fait de mieux de se mettre un petit peu dans dans cet autre champ de comprendre ce que ce que les juristes veulent vraiment faire comment ça fonctionne le droit c'est très, très intéressant. Et tant qu'on n'a pas cette discussion avec des spécialistes du domaine, eh bien, on reste au, à un niveau qui est... où on n'arrive pas à avoir vraiment des discussions très intéressantes. Et puis, une fois qu'on a compris vraiment, dans, par exemple, derrière, derrière certaines lois, l'intention des juristes et la raison de, de, de choses qui, parfois, certains tas certains nous semblent vagues ou pas précis, mm -hmm. et puis on comprend pourquoi, en fait. Et je crois qu'il y a un peu la même chose avec l'IA. Ici, il faut vraiment que les gens euh, comprennent de quoi il s'agit que c'est un outil, que c'est mécanique, qu'il n'y que a, y a rien de magique, d'intelligent de, derrière. Et pour ça, bah, il, faut, euh, il faut expliquer. Il faut expliquer, il faut, il faut de l'éducation. Je pense que le genre d'initiative dont on vient de parler, Elements en of AI, c'est mmh. vraiment quelque chose de... de mettre, très les mains, mettre les mains dans le cambouis <laughs> C'est un peu ça en fait. Euh, les mains dans le cambouis, c est, c est, c est ça se fait à, à, à tous euh... les niveaux. Il y a des... Il ne faut pas forcément des, des ordinateurs. Des... Donc, il y a par exemple un grand... J'ai des collègues qui travaillent, enfin moi-même, j'ai un peu travaillé avec ces collègues, des collègues qui travaillent beaucoup sur l'enseignement de, de l'informatique. Mm -hmm. euh, il y a ce qu'on qu appelle l'informatique tangible. L'idée, c'est d'expliquer les concepts de base, mais avec des objets, avec des, des petites activités, etc., etc. Et donc, on peut en fait descendre très très bas. On peut aller jusqu'au maternelle pour expliquer les bases. Maternelle, primaire, début secondaire. Euh, pour expliquer les bases. Et là, on n'a on a pas besoin de gros moyens. Et tout l'aspect un peu, ben, peut-être rébarbatif ou qui fait peur de, de l'informatique disparaît. Et ça peut être très, très chouette. Donc, il y a moyen d'être très créatif pour, euh, pour expliquer tout ça. Ici, par exemple, il y a une année passée euh, au 7, donc c'est un salon qu'on organise à Namur sur les, les technologies d'enseignement, dans, dans justement. On avait fait un petit atelier pour expliquer l'IA avec des cubes, des cubes en bois. Tout simplement. Mmh. Et simplement avec des cubes en bois, on arrivait à expliquer, ben bah, tiens, c'était les données, évidemment, les cubes en bois. Et simplement avec les cubes en bois, on arrive à construire quelque chose et leur montrer, ben bah, voilà en fait, comment fonctionne l'IA. Et on avait montré comment construire un arbre de décision, comme j'ai montré tout à l'heure, avec les petits cubes. Et les gens se rendent compte à ce moment-là, mais en fait, c'est bête, c'est mécanique, c'est... C'est pas très intelligent ce truc qu'on nous vend <laughs> comme étant euh, si extraordinaire que ça. Éduquer, voilà, chercher, entreprendre, le triangle magique de l'IA et de beaucoup d'autres choses, nous dit euh, Pierre-François Levens, que je salue d'ailleurs, euh, qui est euh, avec nous euh, ce soir. Édouard, peut-être un, un mot pour. Euh, peut-être déjà conclure tout doucement. Euh, du, du côté du, du monde de, des médias, du monde de la publicité, aussi éduquer. Euh entreprendre, tenter des choses, tester. Il y a, il y a, si tu dois conseiller peut-être une lecture ou l'autre, ou des formations oui, oui. pour des gens qui, qui se prédestinent à ce monde des médias J'apprenais l'initiative du, du fédéral. Ça me faisait penser à une... Ici au sein de... Bah on fait partie d'un grand groupe, Bertelsmann, ce qui est un groupe européen. Mm -hmm. et, et la fondation a, elle, pris l'initiative de financer 50 000 bourses de formation en ligne sur la plateforme Udacity mm -hmm. euh, à tout ce qui est... Donc, c'est ouvert à, à tous et, et essentiellement vers des étudiants euh, et, et qui s'intéressent à la data science, euh, à l'intelligence artificielle, etc. Donc, il y a... Alors, c'est 50 000 bourses ouvertes. Et puis, il y a une partie qui a été ouverte aussi au personnel de, 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 des entreprises Bertelsmann pour justement nous éduquer, euh, nous former à... à à ces technologies-là, à ce savoir-faire-là, puisque quelque part demain on en aura besoin, on en est conscient à tous les niveaux. Mm. Euh, tu parlais de l'exemple, Benoît, chez vous aux facultés euh, euh, au niveau euh, bah, du suivi des étudiants. Bah, J'ai appris il n'y a pas tellement longtemps qu'il y avait un programme chez nous au niveau ressources humaines pour euh, l'accompagnement avec une base beaucoup plus euh, accompagnée de manière euh, par un par un, un algo, on va dire, euh, justement du personnel, donc euh, prendre en compte beaucoup plus d'éléments que euh, simplement le dossier qui avait dans un tiroir. C'est intéressant. À fond. Euh, un un tout grand merci déjà euh, à tous les deux. Je, je terminerai par cette référence, je, je l'ai cité deux trois fois déjà depuis, depuis le début. Moi, c'est un bouquin qui a été mon bouquin de chevet pendant, euh, pendant cet été, qui est juste fascinant, religieux. Euh, de l'autre côté de la machine. C'est euh, en plus c'est une belle histoire, elle raconte bien ça. Et en plus ça a le mérite de me faire aimer un peu les maths, ce qui est, ce qui est pas plus mal. Et c'était pas gagné, c'était pas gagné d'avance. Euh, un un tout, tout grand merci euh, Benoît Frenet, Édouard dewitt d'avoir été avec nous. Mer merci aussi merci. à tous ceux qui étaient, euh, qui étaient avec nous en ligne. c'était euh, J'espère qu'on va pouvoir continuer à, à discuter de tout ça. Il y a plein de choses évidemment qui remontent. On, euh, il y a encore beaucoup d'autres sujets. On l'a vu, hein, ça touche tous les pans de notre société le, le, la santé, l'économie, la démocratie. On, on aura, euh, je pense, d'autres occasions de pouvoir euh, creuser là. Vous avez essuyé les plâtres avec moi ce soir et je vous en remercie d'avoir été là. C'était vraiment cool. Euh, merci. merci aussi à euh, François Jeannette. Euh, qui m'a aidé à préparer cette émission. Merci aussi à, à Sylvie Royan, euh, Guillaume et puis évidemment à notre euh, sponsor, évidemment sans qui euh, aujourd'hui on n'aurait pas pu faire cette émission-ci. Et d'ailleurs, euh, bah, puisque dans tout euh, dans toute émission bien sponsorisée comme il se doit, il y a une petite op qui pour tous ceux qui seraient intéressés de se coltiner une agence, une agence, une intelligence artificielle pour gérer et, et vous aider à gérer votre votre argent. Allez faire un tour euh, sur Ryan. Euh, moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à discuter avec Bernard Hansen, qui est le patron de l'agence bruxelloise. et euh, Il m'a fait confiance pour construire cette émission. J'ai pu raconter tout ce que je voulais, j'ai pu inviter tous les gens que j'avais envie. Et euh, rien que pour ça, bah, c'est vachement cool. Donc voilà, si, euh, si vous voulez tester ce genre de choses, Amusez-vous, allez-y. Moi, c'était marrant parce que quand j'ai fait mon profil la première fois pour investir, la banque m'a dit euh, Non, vous n'avez pas le profil, revenez euh, quand, vous aurez, euh, quand vous aurez compris comment ça fonctionne. C'est plutôt cool, une banque qui veut pas de ton argent au départ. Donc voilà, ouais. euh, c'est clin d'œil, mais vraiment, sans eux, ça n'aurait pas été possible euh, ce soir. Encore un tout, tout grand merci. Euh, c'était un plaisir de faire ça avec vous. Je me prends un peu dans les pédales, là, comme ça. Voilà. Hop, je vous remets. Merci vous deux, merci Edouard, merci Benoît, merci à tous ceux qui étaient en ligne. On... Merci Damien. Voilà, bah c'était cool. Merci euh, Mathéouche, merci Vincent, euh, merci Pierre-François, Benoît aussi. Bah, ravi euh, ravi d'avoir fait ça avec vous. Euh, N'hésitez pas si vous avez des... encore des questions. On vous laisse tous les liens documenté puisque quand on a préparé cette émission ben forcément on s'est échangé plein de liens on s'est échangé des vidéos il y a des vidéos qu'on n'a pas montrées d'ailleurs euh, mais c'est pas grave on les mettra dans le doc et vous les aurez évidemment dans la, dans la foulée euh, on se dit à bientôt dans l'open newsroom ouais c'était le dernier truc que je voulais vous montrer parce que c'est un truc je suis, je suis, assez, euh, euh, je suis assez content d'ailleurs de la, de la construction de cette émission parce qu'elle s'est faite à, à travers entre autres ce, cet espace là dans facebook avec des algos, et pourtant on arrive à créer un peu de richesse et du sens. Et ça, c'est cool. Voilà. Sur ces bonnes paroles, messieurs, je vous salue. À bientôt. Ciao. Bonne soirée. Yeah.